J'ai relancé tout de suite. J'y vais au dé, troisième épisode de découverte d'Assassin's Creed. Oh là là. Les passages en arabe sont bizarres, je trouve. Bah ouais, hein, l'accent. L'accent doit pas être simple à avoir, mais ils font ça dans tous les. Dans tout l'Assassin's Creed, ils font. Ils font des passages avec la langue locale, quoi. Mais effectivement, bah, les doubleurs, eux, ils sont pas forcément les accents. En tout cas, nous venons de libérer des rebelles. Oh putain, j'avoue, les blablas sont terribles. Mais quand j'enlève les sons d'arrière-plan, en fait, ça n'enlève pas les voix d'arrière-plan. Les sons, c'est les effets sonores, ben ça, y a pas de son d'environnement. Faut vraiment gérer ça. Alors, on va voir où on en est. On a un peu recherché, donc faudra qu'on vire des affiches par-ci, par-là. Peut-être en faisant ça, je peux en voir une. J'allais dire, il s'essouffle vite, mais en même temps, il escalade en permanence. En vrai, ça se comprend. En vrai, ça se comprend. Ça se comprend un peu, non, non. Attention, chute libre. Ah non. Faut pas. Par contre, entendre tout le monde gémir dans mes oreilles, ça me rend ouf. Ah, négociant. Let's go. Négociant. Négociant. Ravi de te voir. Bienvenue. Jolie moustache. Réduire les prix de 10%. Ah, d'accord, je peux donner des badges pour réduire les prix. On va voir si c'est cher. Regarde. C'est du Valhalla encore. Putain, Mirage. Assassin's Creed Mirage. Je sais pas pourquoi j'ai Valhalla en tête, parce que j'y ai joué beaucoup en fait. Valhalla. Et j'ai toujours aimé dire Valhalla. Désolé, j'arrête pas de me tromper, je suis désolée. Assassin's Creed Mirage. Oh, c'est beau ça. C'est 500 balles et moi j'ai pas de balles. Il est toujours bon de soigner son équipement. Genre ça, ça se vend par exemple, on n'en fait rien de ça. Je vends les dés. 1h15, c'est toujours pas accès au jeu. Si ça se trouve, c'est que à partir genre de 19h ou un truc comme ça. C'est parfois, hein. Parfois le cas, pardon. On est d'accord que les bijoux et tout, c'est fait pour être vendu, ça, hein. Ouais, hein. Y a pas d'infos sur sur les internets de quand est-ce que vous pouvez jouer. Je vais devoir désinstaller et réinstaller, je pense. Franchement, je pense pas. C'est juste qu'ils ont pas ouvert l'accès. Hein. Ou alors peut-être sur certaines plateformes et pas d'autres, parce que parfois c'est pas en même temps. Ah oui, ça fait le blade, les voit partout un petit peu, ouais. Par contre, le trailer de Hellblade qu'on avait vu là, il était trop dur à entendre. Il y avait des murmures pendant genre 5 minutes en boucle. Et c'était que ça. C'est trop dur. Enfin, moi, je trouve ça trop désagréable. Pâte de lièvre, pareil, j'en trouve plein. Oh, je vends tout. Hein. Je me prends pas la tête, je vends tout. On en a jamais assez, comme on dit. J'ai pas encore. Ah, j'ai des teintures, ah, des talismans. Mais je vais attendre d'en trouver. Talisman en forme de scarabée. Oui, mais d'accord, mais ça donne quoi? Éblouissant talisman. Oui, mais ça me donne pas les stats en fait. Moi, je veux des stats. Ce sera tout? La pluie Ubi. Dis comme quoi c'est dispo. Ah, j'imagine que tu l'as relancé l'appli. Ah, effectivement. Je dois m'en aller. Fais bon voyage. Avis de recherche. Ah, il y en a là-bas. Ah oui! Ça ne devait pas être.
Ce torchon est tout sauf artistique. Voilà. Je vais rebaisser un peu les... les trucs. Audio. Je sais pas si les voix ça rentre dans les effets sonores. Bah non, mais en fait pour le vérifier, je vais mettre les effets sonores à zéro. Merde. C'est moi, je me trompe. Ah oui, non, je me trompe pas. Pas dans les effets sonores. C'est chiant. C'est chiant, ils sont trop forts les... ils sont trop forts les voix. Et le problème c'est que les voix, elles sont trop fortes. Le problème c'est que les voix des dialogues, elles ne le sont pas. Je vais mettre une dynamique de nuit. Pour voir si c'est un petit peu adouci au niveau des dialogues. Pas vraiment, hein. Oh, c'est un sup. C'est un sup, excusez-moi. On va baisser, hein. C'est des connards et je joue pas avec eux. C'est le volume principal, bah ça baisse tout, ça va baisser aussi les dialogues, c'est ça qui est chiant. Merci beaucoup Jux pour le raid, c'est adorable. C'est adorable, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comment que tu vas? Audio. Non, bah je vais mettre la musique un peu plus forte, un peu plus fort. Il m'est sorti par la bite, celui-là. Merci Azuke Samurai. Bienvenue. Merci beaucoup. Son de collision. Non. Voilà, je vais baisser sur mon mélangeur de volume tout le son. Et et quand tu auras des dialogues, je réaugmenterai. Comme ça, voilà. Parce que sinon... sinon ça prend la tête quand même. Qu'est-ce que c'est ça? Interagir? Oh non. Ah, codex. Oh, d'accord. Je suis tombé de bouton. Présent des Grecs. C'est sympa. Je demanderai à Nota Bedin de faire un résumé. Des chevaux. Oh. C'est trop fort, je suis désolée. Merci beaucoup, Jax. Je suis au début du jeu. Merci beaucoup, Jax, c'est trop mignon. Je passe pas, déjà, Origine, Odyssée, Valhalla en retard. Jamais, peut-être que je me remotiverai, ça marche. Bah celui-là pour le moment a l'air d'être un peu plus simple dans... Enfin, j'ai moins cette sensation de 1000 trucs à faire, mais peut-être que ça viendra. Merci en tout cas pour ton 31e mois. Merci beaucoup. Et on a un peu, voilà, ouais, on a un peu ce retour aux sources. Léger, c'est encore léger, mais c'est à voir un petit peu comment ça va évoluer, mais il est un peu plus simple à... Je sais pas. On est un peu plus dans le simple. Hein, légèrement. Légèrement. Après, à voir si c'est que parce que c'est le début et qu'après j'aurai quand même 1000 trucs à faire, 1000 trucs à repérer, 1000 trucs à récolter et tout ça. Je sais pas. Ah mince. Ouais, bon, ça, ça met à jour mon côté. Qu'est-ce que c'est ça? Suivre le groupe. Ouais, non.
Un mirage, cette sensation de simplicité, peut-être. Mais pas simple, t'as beaucoup d'ennemis. Alors, simple, ça veut pas dire facile ou difficile. Simple, ça veut dire que il y a moins 1000 objectifs. On est dans la simplicité au niveau, j'ai l'impression, un peu plus. Un peu plus dans la simplicité au niveau de ce que le jeu nous propose de faire. Et au niveau de la prise en main aussi, j'ai l'impression. Enfin voilà, dans certains Assassin's Creed, moi j'avais vraiment une sensation, notamment j'ai eu ça sur Odyssey, j'ai eu du mal à m'y intéresser du coup pour ça. J'avais cette sensation de, il y a 1000 trucs à faire, il y a plein de... Il y a le système qui est à moitié RPG, à moitié jeu d'action, à moitié presque stratégie parfois. Et du coup, j'étais en mode, mais moi, j'aimais bien ce côté simplicité des premiers Assassin's Creed où t'avais moins ça. T'avais de l'explo, t'avais des trucs à récolter, t'avais des objectifs différents. Et voilà, ça s'est limité à ça. Mais c'est peut-être que c'est parce que je suis au début. Mais je dis pas que simplicité veut dire facilité. Il y a 3 niveaux de difficulté de toute façon. Décrocher total DAC. Moi aussi, j'ai testé Valhalla, j'ai bien aimé au début et puis après ça partait dans tous les sens. L'explo était un peu bizarre. J'avais un peu du mal. Ah c'est Unity, le multi était cool. Il avait une très bonne réputation à ce niveau-là, ouais. Au niveau du multi seulement d'ailleurs, je crois. La map est quand même grande. Ouais, mais de l'explo, ça je veux bien, de toute façon, il y en avait dans tous les Assassin's Creed. Plus ou moins... À plus ou moins grande échelle, mais il y en avait. Trop RPG, bah oui, moi je... Il y en avait certains que je trouvais beaucoup trop RPG. Là, il y a un arbre de talent, mais il est simple. Et des compétences à mettre. Et voilà. Les compétences, bah c'est... Voilà, on a... J'aime bien, moi, que ce soit... Vu que c'est un jeu plus action, j'aime bien ne pas m'emmerder avec vraiment... Ouais. Avec plein de compétences et tout. Oh, j'ai tout fait, ça me donne envie de crever. Ah bon ? T'as eu du mal ? T'as aimé sans plus, quoi. Non, mais faut pas se forcer, hein. Vous êtes fous aussi de vous forcer à faire des trucs alors que vous en avez marre du jeu. Hop là. Un coffre là-bas, on y va. Si le son est assez bas, c'est parce que les dialogues sont trop forts. Enfin, les dialogues en arrière-plan, pas les dialogues in-game entre les personnages, les dialogues en arrière-plan d'environnement, d'ambiance un peu, sont, je sais pas pourquoi, trop forts. Il y a un souci de spatialisation. Et du coup, bah, je baisse pas mal le son du jeu un peu parce que je prends la tête à force. Mais je remettrai plus fort quand on aura des cinématiques et tout et tout. Ah mais vous... Ah oui, non mais vous entendez plus rien. Attendez, c'est parce que j'ai trop baissé le son. Excusez-moi. Cent fois la même quête. Mais pourquoi tu l'as faite quand même? En vrai? Ah, tu savais peut-être pas dans quoi tu te lançais? Moi j'aurais arrêté, hein. Faut pas que le jeu vidéo ça devienne une souffrance, sauf si on aime souffrir. Dans ce cas-là, ça veut dire que c'est cool. Plus ou moins. Et oui, pardon, j'ai pas répondu par rapport à cette tenue, je l'ai eu dans le bateau. Un bateau où on doit libérer des... Il y a un port où on doit libérer des rebelles. Et en l'explorant, en faisant la mission, et ben il y a un coffre. Avec une tenue dedans. Une tenue. Ah mince. Une tenue, téton inclus. Complétionnite aiguë. Aïe. Ouais, il y en a plusieurs qui me parlent de ça. Je connais pas mal la force dans le chat, c'est punaise. Oh, moi, j'avoue, je le suis pas du tout. Hein. Des fois, il va me manquer un petit truc pour être à 100% dans tel ou tel truc. Ça va me saouler qu'il me le manque. Mais honnêtement, si je dois trop m'embarder pour le récupérer, non, je le fais pas. Pardon, excusez-moi, j'essaie de récupérer un coffre. Ne faites pas attention, hein. Bon après je vais faire la quête, c'est juste que là j'avais envie de récupérer ce coffre. Est-ce que je peux passer par là? Bah non, ça va être sur ma clé évidemment.
Mais je peux pas escalader ça. Ah mais par contre d'ici je peux peut-être faire des trucs. Allez! Oh, je vois rien. Oh, je vois rien du tout. Oh, je vois rien. Mais j'ai une torche. Je sais juste plus comment on fait. Pas ça. J'y travaille, je cherche. Voilà. Lancer une torche. Non, mais pour le moment, je vais essayer de l'utiliser déjà. En tant que torche, quoi. Pas deck pour repérer les lieux. Mais là que ça peut pas m'aider à repérer là où je peux escalader enfin. En plus il fait nuit. Un accueil peu chaleureux. Il s'est fait tirer dessus mon aigle. Les bâtards. Mais pourquoi ils tirent sur les aigles, ils sont ouf. Mais je suis dans une fosse. Qu'est-ce que je fous dans cette fosse? Voilà, hein, super. J'ai utilisé mon aigle, il est mort. T'es content? Mais comment je l'ai ce coffre? Un câble? J'ai platiné l'Eyes of Pastis très vite. Ouais, bah c'est pas un open world déjà. Ça se fait plus sur ces jeux-là, ouais, je comprends. Même si je le ferai jamais. Moi, je le ferai jamais. Complétiste sur un Souls ou un Souls-like, non. Ça va aller. Hein. Des cherches un endroit où je peux sauter. Je peux sauter nulle part. Oh, et ce coffre commence à me gonfler. Hein. Je veux pas le prendre, je crois. Ou alors je tue tout le monde. T'as vraiment de nouvelles séances banger. Oui. Mais moi, pour revenir à Ubisoft, j'attends Avatar. Hein. Je pense qu'il peut être cool. En tout cas, ça m'a donné envie. Et pourtant, j'étais pas en mode « Oh, trop bien, un jeu Avatar ». Même si j'aime bien l'univers, j'étais pas en mode « Bah, extra ». Mais de ce qu'on a vu, quoi. Une game plus minimum. Ou plus 4. Mais pourquoi? En fait, en le faisant tant de fois, tu complètes des nouveaux jeux d'objectifs. Quand tu refais le jeu, c'est ça? Est-ce que je me dis quand t'as fait tous les boss une fois, est-ce que t'as une raison de les refaire? Soit pépite, soit ultra décevant. On va dire que je suis fort curieuse. En plus, le fait qu'ils soient en vue FPS, moi ça me fait plaisir. Alors j'espère que ce sera bien le cas et que c'est pas que la cinématique qui était comme ça. Parce que bah, je préfère toujours les open world très immersifs comme ça. Bah, je veux pouvoir avoir une vue FPS quali, quoi. Histoire de bien kiffer. Oh merde, je peux pas du tout passer, mais c'est un enfer. Je descends. Il y a des ânes partout ici. J'aime beaucoup. Ça fait bien plaisir qu'il y ait des ânes. Ah oui, c'était là-bas que je vais aller. Au pire, je cours. Hein. Mais je peux escalader là. Ah, mais c'est qu'il y a plusieurs coffres. Palais du prince. C'est pas du tout un plan foireux, je pense, ça. En plus, je vais sûrement y aller pour une quête. Qu'est-ce que je m'emmerde? Non! J'ai mal visé. Je voulais viser les fleurs. Les pétales. Voilà, comme je dis souvent, c'est la caméra qui a des oreilles. Du coup, quand on est près des gens, on est dès le bord. Ce n'est jamais une mauvaise idée. Quand je te trouve, je t'écorche. Si quelqu'un vient nous chercher des poux, ça nous occupera. Mmh.
me suis mise en tête de prendre ce coffre, je le prendrai. Hey, qu'est-ce qui se passe? Peut-être rien, mais attention. Une minute! Il m'a peut-être un peu vu. Bon, il n'y a plus qu'à repartir. Il aimait pas ce mec. J'utilise pas ma vision d'aigle. Y'a quoi là-haut? Merde! Arrête de siffler. Y'a un là-haut, ça va. Oh, ça tire par contre, c'est quoi qui tire là? C'est des étoiles filantes? Oh, lui, je le sens pas, lui. Par contre, d'ici, ça se fait, ça. Ouais, oh, je laisse là. Hein. Je veux pas cacher, on n'est pas dans Hitman. Pas besoin. Eh ben oui, c'est ce que je disais, Jox. Là, j'ai juste dû baisser un peu les ombres. Il y a des trucs que j'ai mis, j'étais en très élevé, j'ai mis en élevé. Non, même pas, j'étais en ultra, j'ai mis en très élevé. Et oui, il tourne. J'ai eu des chutes de FPS, surtout au début. J'avais pas mal de trucs de lancer sur mon PC en même temps, j'avoue. J'ai fermé plein de fenêtres inutiles. Et j'ai fermé Snap Camera aussi. C'est terrible, mais c'est comme ça. Et oui, ça va, franchement. Au début, c'était un peu... Ça allait en vrai. J'avais juste des chutes de FPS au moment de lancer une cinématique, ça arrive encore un peu. Mais sachant que le jeu n'est même pas encore sorti, comme je dis, ça va, vraiment. C'est pas grave, ça gâche pas le plaisir du jeu, c'est pas grave. Donc voilà, oui ça va, vraiment ça va. On a connu tellement pire. Ah, plutôt Farnalou, excuse-moi. J'avais pas vu ton message. Excuse. Y'a un petit bout qui n'a pas de fond vert. Ah merde! Là-bas? Ou là-bas? Attends. J'ai le tab. Ah merde, ça va. Ah oui, ça va se frustrer. Ça va être frustrant pour plein de gens. Désolé. Merci Infernalou, désolé. J'avais pas vu ton message. J'avais pourvu. Mais va dodo, pas de soucis. T'aurais même pas dû venir, t'aurais dû partir te coucher direct. Des bisous. Ok. S'il me regarde pas. Ah punaise, il y en a un qui regarde par là quand même. Hein. Par là, ça va. Ah oui, ça dort comme ça. Ne faites pas attention, moi aussi je viens dormir avec vous là. Ah, parce que c'est le palais du prince, il y a peut-être des gens qui restent en mode on veut voir le prince, on reste toute la nuit. Parce que c'est quand le prince il a dit... Excusez-moi, j'essaye de monter. Vous pouvez s'il vous plaît être un petit peu patient? Je vous remercie. En fait le coffre il est là-bas mais je comprends pas où il est. Il est là-haut. Okay. C'est des gardes ça? Non, ce ne sont pas des gardes. Tant que c'est pas un garde, ça poucave pas. Chut, tu poucaves pas. Et où ce coffre? Ils sont trois, non mais jamais je peux les avoir one by one. Ah, mais les autres sont partis. La bouffe. Pas mieux. Oui, il y a ma vie derrière moi. Bisous Booba. Bisous Jox. Désolé, je suis un peu concentrée. Hey!
merde, vraiment ? Ça se passait si bien en vrai. Bon bah ça se passe plus très bien. Il est où ce fucking coffre ? Ah il est dans le palais. Non mais jamais j'y arrive. Non, je veux pas faire un saut aussi immense. Il me tient que dalle. Allez, s'il te plaît. Merci. C'est gentil de lever le genou. Ah, où je passe par contre. Vous êtes trop nuls pour pas me laisser m'enfuir en vrai. Hein. La porte sera verrouillée en fait, je me fais chier mais jamais je peux passer moi. Je suis un peu triste d'avoir fait tout ça pour rien. Mais jamais je passe, putain, ça dégoûte. Il est juste là. C'est si frustrant. Ça va bien se passer. Ça va super bien se passer. Salut silence. C'est qui a la clé ? Bah même pas en fait. Ça va, non mais y'a rien. Ça, pour m'enfuir facilement. Allez, tu peux le faire. Il me fatigue, il est bugué. C'est bon. Non, c'est pas la collectionnite, c'est juste que j'ai fait tout ça pour l'avoir, je veux l'avoir. Pas déconner. C'est celui-là. J'ai ma d'amélioration de tenue du soulèvement. Ah mais c'est celle que j'ai sur moi. Première phrase, c'est le déni. Non mais c'est vraiment...
Je connais ma façon de jouer quand même. Bon. Allez. Non, mais si, je bouge de fou en fait. Ok, allez, il faut que je me casse. En fait, j'avais rien à faire ici, en fait, normalement. Elle est où ma quête? Je me suis légèrement dissipée. Retrouver le contact de Nur. Let's go. Voilà, teinturerie. Ah, mais ça m'indique pas sur la map, si. Ah, si. Faut que j'enlève le point que j'avais mis. Gaspard là. Technique du schnapps, comment ça? Non, ça va, hein, j'ai fait les choses bien, je me suis presque pas fait repérer, j'ai presque pas tué, je suis presque allé vite. Je vois ce que tu veux dire en fait. Où je vire des avis de recherche. Ah bah non, c'est bon. Non, je suis plus recherchée. Il y a un autre coffre là-bas. Mais c'est pas grave. On va aller peut-être à la tour avant. Et juste là. Ça va. Ça fait des voyages rapides. Ah zut. C'est ça? C'est pas très haut si c'est depuis ici. Non, c'est pas depuis ici. Bon, on va ailleurs. Merde! Tu me saoules. C'est une tour, ça? C'est bien ça, la tour? Oui, hein. J'y arrive mal. Munition complète. Mais j'ai rien fait pour. Ah, c'est qu'il y en a... Oui, d'accord. J'ai un autre coffre là, mais c'est pas grave. Elle a le point serré, mais on le voit pas. Non. Vraiment. Je suis pas complétiste. Ce qui frustre des personnes complétistes. Parce que du coup, bah des fois, je laisse beaucoup de choses à côté de moi. Derrière moi. C'est bon, on a fait un truc. On a eu 22 trucs. On a eu un coffre et une tour. En une demi-heure, c'est bien. Oui, je suis un papillon plus. Effectivement. Deuxième phrase. Deuxième phase, la colère. Quel sale gosse. Ah, on va prendre. Oh. Ah merde, c'est vrai que je pille. Je pensais que c'était pas puni, ça. Il faut que je file d'ici. Oui. Non mais file, cours. Pas accroupi. Mais oui, c'est plus moi j'ai plus l'effet papillon, ouais. Pas au sens où on l'entend, mais plus le oh un papillon. Je dois faire absolument oh un papillon. L'effet chaton qui découvre le monde. Ah, la
crâne d'un coup. Allez. C'est tellement ridicule de courir accroupi. Timothée Chalamet. Je me fais sursauter. Allez, monte. Non, 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 merde, c'était une tyrolienne. J'avais pas vu qu'elle était penchée. Alors, faut que j'aille là-bas. Piste à suivre. Retrouver le contact de Nur. C'est Nur. Les petits rats. Ouais, un coffre. Hein, c'est pas attendu mon objectif. Il est où le teinturier? Bon, il doit être là vu le bordel dans la flotte. Je mange votre bouffe. Qu'est-ce qu'il faut que je fais ici? Retrouver le contact. Bah il est où? Ah bah comme ça en fait. Non. Mais que voilà! Là, je suis tranquille pour piller. Je suis contacté d'un coffre. Et le coffre est un mensonge. Ouais, ça, glandouille sévère chez les gardes quand même. Hein. Ils passent leur temps à dire qu'ils se font chier. Je suis sorti de la teinturerie là, je pense. Bonnes blagues. Ouais. J'ai fait courir, ça va. Le contact à la teinturerie. Les histoires que racontent les eunuques sont incroyables. Apparemment, Harib écrit 10 nouvelles chansons. Moi aussi, je peux écrire 10 nouvelles chansons. Hein. Ce sont des chansons de merde, mais je peux le faire. Hein. Re Winnie. Alors, t'en es où? Je dois trouver... Je dois suivre la piste de Nur. Et trouver un mec qui s'appelle Nur à la teinturerie. Voilà. Oh, bah c'était... En fait, fallait que j'aille dans la teinturerie. Delwish ? J'ai le dos au Nur. Azizi ! Moi qui te croyais mort ! Azizi ! Tu te croyais mort aussi ? Toi, tu fais quoi de beau, Willy ? Tu... Tes vêtements, tu es devenu l'un d'eux. Mais comment ? Un de ceux qu'on ne J'ai un téton. Pas, grâce à Roshan. Oh, il est trop déçu. Pardonne-moi, c'est une sacrée nouvelle. En ne te trouvant pas parmi les cadavres, j'ai espéré que tu avais pu t'enfuir. J'ai passé bien des nuits à prier pour toi, pour que tu sois en sécurité. Et aujourd'hui, Allah a exaucé ses prières. Je ne suis pas digne de tes prières. Ce qui est arrivé cette nuit-là n'était pas ta faute. C'était celle d'hommes malfaisants. Tu le sais bien. C'est pour cela que tu as choisi de suivre cette voie. Et que j'ai trouvé la mienne à Bagdad. Ali ibn Mohammed est une bravache qui se prend pour un héros de... Shokenshin, j'ai un nouveau perso. Tu voulais t'apprêter qui?
Papa, c'est qui que tu voulais ? C'était Neuvillette ou je sais plus qui ? Si je veux que mon âme connaisse un jour la paix. Ainsi, c'est vrai. C'est donc toi, le marchand rebelle qui est Dénour. Qu'est-il devenu ? Ouais, il fait peut-être partie de l'ordre, ouais. Je sais pas, ou peut-être qu'il est... Je sais pas. Je dois continuer son œuvre et traquer les oppresseurs de Bagdad. Ali et Dénour a approché l'un d'entre eux. Mais comme tu le sais... Neuvillette, il est bien ? Il a disparu entre-temps. Il n'a pas disparu. Il a été fait prisonnier. Un sort qui a frappé de nombreux rebelles. Sais-tu où il est détenu ? Au poste de garde de la porte de... Encore des prisonniers libérés. Mais c'était il y a des semaines. C'est officiel. C'est Lox la meilleure. Oh, ça on le savait. Tu t'en vas même Merci comme... Merci beaucoup. Non. S'en aller comme eux. De dos. M'a fait plaisir. Fais attention à toi. Tu sais sûrement te défendre. Mais je suis resté mère poule. Et Bassim, si tu te sens par hasard la main, disons, leste, viens me voir. Ton aide me serait utile, pour la bonne cause, bien sûr. Ouais, d'accord. Il est en mode, oui, ça me dérange que tu sois devenu assassin, mais en fait, bon, si je peux me servir de tes talents, ça me fait plaisir, quoi. Un petit peu une demi, voilà, une demi-mesure. Celui qui fait des kamehameha, oui. Entre deux lignes de dialogue. Merci, Bloody. J'espère que ça va mieux tes douleurs. Je crois qu'une tragédie m'est brisée à jamais. Chaque jour, je repense à la mort des jeunes gens que je cherchais à protéger. Bah oui, les gamins. Était-ce folie de ma part de me croire capable ? Suis-je idiot de penser que la justice n'a pas encore été totalement effacée de ce monde ? Peut-être devrais-je le croire, choisir de contribuer à la rendre, cette justice. C'est pour cela que j'ai décidé d'arborer la teinture rouge. La révolte. Peut-être que je peux... Tu as dit avoir besoin de mon aide, Darwish. J'imagine que c'est pour aider la rébellion. En effet. Et pour cela, l'argent est fort utile. Ma sœur, le texte s'arrête là. Mais c'est difficile à obtenir sans les objets adéquats. Jette donc un œil. Sacré texte. Il paraît que des objets rares, voire... Surtout que le papier à cette époque-là, c'était cher, tu vois. C'était pas du post-it. Soulage-les de ces fardeaux et apporte-les-moi. Je te récompenserai. Ok, je vais voir la boutique. Oh. Le sage sait prendre soin de ses affaires. Il me stresse un peu quand il me parle parfois. Mais c'est le même... Bref, je vais vendre des trucs. Prends soin de toi, Derwish. Prends soin de... Où est Ali ? Je ne sais pas. Où est-il ? Ah, c'est du loin. Ah oui, je pouvais améliorer ma tenue. Attendez. Ah déjà, je peux mettre un point de compétence, mais moi, les trois premiers, ils me plaisent. Donc, je les prends tous les trois. C'était prévu. Ensuite, on verra. Inventaire. Peut-être que là, chez un forgeron, pour améliorer, non ? Tenue de soulèvement. Ah, mais non, ça s'améliorait tout seul, en fait. Non ? Réduction des effets des actions illicites sur la notoriété. Putain, c'est trop bien, en vrai. Et ça, ça fait quoi ? Réduction à 50% de la perception des bruits émis par Bassim. Ah, selon la mission, en fait, je vais pouvoir prendre une tenue en adéquation avec la mission. D'accord, mais comment j'améliore ma tenue ? Pour procéder à une amélioration, rendez-vous chez un tailleur. Mais je suis chez un tailleur, mais il me propose pas d'améliorer. J'aimerais comprendre. Ah non, je suis chez un teinturier. Je suis pas chez un tailleur. Le texte s'arrête là, j'aurais précisé au cas où. Oui, c'est vrai. Un point, généralement, c'est pratique. Ça va le stream Mirage ? Oui, je sais plus, hein. Ça va, c'est sympa. Ça marche, Bloody, bah, j'espère que ça va aller.
Oui, ils étaient sur Teinturier. Je sais pas pourquoi. Objet pour Dervi ? Oui ? Oh, je vais faire ça vite fait. Et après, on va aller à un tailleur. Dégage. Je la dois à Talal. Quoi ça ? Ma notoriété, c'est ça ? Les trucs jaunes ? Ah non, c'est une énigme. Oh, ça donne envie de faire une énigme, en vrai. Oh. Habitants, un concours de musique. Ouais, mais je pense pas besoin. En tout cas, il est beau le jeu. Oui. Ouais, il est très agréable, il est très... Il est très joli et bien foutu. Ça marche bien, quoi. Enfin, est bien foutu. Au niveau des graphismes et du game design, pour le moment, pas grand chose à redire. Vraiment, là, le défaut qui me vient le plus, qui me saute vraiment à l'esprit, c'est le fait que les dialogues en arrière-plan soient beaucoup trop omniprésents et que ce soit pas possible de les baisser juste eux. Faut baisser, en fait, tout l'audio, limite. C'est bien dommage. Ou alors, peut-être tous les dialogues, sauf que les dialogues, on les entend mal quand on est... Quand notre perso discute avec quelqu'un, on a tendance à mal entendre. Elle est où cette énigme ? C'est ça l'énigme ? Trouver l'énigme ? Eh, en vrai, well, why not ? Ah, mais faut que je passe ici. Allez, Katan. Il freeze apparemment, j'ai l'impression. Il est moche, son apparence c'est un mirage. Eh ! Stop it. Merde, j'ai glissé. Pourquoi vous criez tous? Un échafaudage qui est tombé, il est tout petit. Collecter. Oh. Énigme. Chaque énigme renferme une carte ou des indices relevant d'un lieu. Résolve l'énigme, rejoignez un endroit indiqué pour procurer de nouvelles... Teinture de tenue. C'est tout ? De nouveaux talismans. Mais talismans, ça sert à quoi ? Pour le moment, quand je trouve des talismans, enfin quand j'ai vu des talismans chez des vendeurs, ils me disaient pas à quoi ils servaient les talismans, ils me disaient « Ce talisman vient de tel endroit, oui il est très très joli, il vaut vachement son prix. » Oui, mais il sert à quoi ? En vrai, je trouve souvent que les cartes au trésor, les dessins sont trop bien faits. Là, c'est plus logique, là. Il est mort, Olypion. Je pense qu'il est totalement mort. Le comique de répétition. Oui. En vrai, ça marche encore. Hein. J'avoue. C'est pas facile, hein. Si, il y a les poissons. On voit deux petits symboles de poissons, donc ça doit être près d'un port ou d'un poissonnier. Près d'un port, j'imagine, vu qu'il y a... Non, mais non, il y aurait des petits bateaux, si c'était un port. Donc peut-être près d'un pêcheur ou d'un poissonnier. Il y a un lion. Avec un pétard dans le huc. C'est un lion, à votre avis ? Ça va pas être facile, hein. Genre là, c'est quoi? En tout cas, c'est près de l'eau. Mais j'ai pas encore assez exploré. Bon, faudra trouver un pêcheur. Et dans le cul, c'est pas juste sa queue. C'est ce que j'ai envie que ce soit. Écoute, l'interprète du message, c'est celui qui le voit. C'est moi qui décide de son sens. À partir du moment où c'est moi qui trouve le message. Voilà. C'est moi qui décide. Hop, les petits caniveaux. Du coup, il y a de l'eau sur ma caméra. Oh, poisson.
Là, il y a de l'eau. Là, il y a un tigre. Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est de la sève. C'est l'arbre, il est malade, le pauvre. Il est tout infecté. Attendez, je regarde la map. J'interprète un mirage. C'est pas l'interprète qui est mirage, c'est le mirage qui interprète. Photo, non ? Non, pas du tout. Donc, pas être là, hein. À moins que je trouve un lion là tout de suite. Bon bah non. Non mais je verrai. S'il y a des poissonniers, je verrai. Écoutez, on va à la quête. Ce serait bien. Ce serait bien. De toute façon, au bord de l'eau, il y aura plein de pêcheurs. Toute logique. Enfin, je veux dire, ce serait plus là qu'il serait qu'ailleurs, quoi. Je voudrais voir un tailleur. Mirage gagnant, grand fan. Il a un très beau téton, je trouve. Parti voir tailleur. Je peux resynchroniser, mais ça sert à foil. Ok, c'est derrière WAM. De toute façon, j'ai mis un point. Oui. Attendez, là, il y a de l'eau. Hé hey. Service de forgeron. Oui, non, mais deux secondes. Je fais des trucs, là. Merde, hein. Oh, trop le bordel. Oh, trop de bordel. Je vais baisser. Dangereux d'être sur les toits, j'en sais quelque chose. C'est toi, tailleur ? Bonjour. Ravi de te voir. Et on se connaît tous, hein, c'est fou. Permets-moi de jeter un coup d'œil. Voici ce que j'ai. Débloque de nouveaux effets davantage. Ok. Trouverai des matériaux d'amélioration en explorant l'univers. Oui, j'y trouvais déjà. L'apparence des armes peut être modifiée chez un forgeron à l'aide de services du service correspondant. Seule esthétique de l'arme change. Oui, d'accord. Prendons soin de la tenue qui prend soin de... Réduction de l'effet des actions illicites sur l'autorité de Basim. 30%, c'est pas mal. Excellent choix. Voici ce que j'ai présenté de torchons. Ce sera tout. Super. J'étais mouchée dedans. Oui, ce sera tout. Arrête de caresser ta bourse. Bien. Oui, c'est bizarre de dire ça. Toi, tailleur, bah oui, je sais pas. Je trouve scandaleux qu'on laisse faire Zéline. Elle est obsédée. Mais dégage. Bon, au moins, les pop-up de Défir accomplis, c'est pas ceux de... C'est pas ceux du Game Pass qui sont toujours très forts. À chaque fois que tu lances le Game Pass, ça te met le son à fond, même si tu l'as changé à chaque fois. Et ça te met un truc aussi visuel. Là, au moins, c'est silencieux. Donc je l'accepte. Je l'accepte. Allons là-bas. Moi, j'y vais de toute façon.
En plus, il y a un coffre là-bas. Alors, du coup, s'il y a une quête là-bas, je pourrais aussi prendre le coffre là-bas. Comme ça. Comme ça, c'est bien. Le téton est plus brillant sur la nouvelle tenue. Tiens, tu t'es dit ça toi aussi, parce que moi, pareil, je me suis dit, je me demande si le téton, il est aussi amélioré, tu vois. Je me demande si c'est un téton soyeux. Mais ça se voit, c'est clairement du téton soyeux, ça. Ça, c'est du téton gladiateur. De fou. Voici l'avant-poste où Ali a été emmené. Ah, ça, c'est là. Je vais en chier un peu, hein. Faudrait que j'améliore ma discrétion, donc je vais mettre mon autre tenue. Attendez, je me change sur les toits, là. J'ai pas le bon outfit. Tout le monde sait que... on peut pas assassiner dans un mauvais outfit. Attention. Let's go. On sait, il faut de l'aide. Non, c'est ok. Je l'ai tué, c'est bon. Oh, mais c'est un coffre, ça. Ah, oh, mais c'est... Oui, ça va. C'est vrai que je peux peut-être jeter des trucs sur des gens. Qui me ferait fort plaisir. Bah, j'appuie sur R. Non mais, ah, ça vise le mec au loin là-bas. J'en supplie, vise ici. Oh, ça veut pas. Est-ce que je me mette vraiment très proche? Je t'ai bloqué là, il voulait plus bouger. Mais ça marche pas, écoutez les gardes. On est d'accord que c'est bien le joystick? Ah, il faut une cachette. Ah oui, genre là. Déjà vu ça, oui. Dis-moi, vous vous entendez bien, le scribe et toi? Pas vraiment. Il croit que son rang l'autorise à parler à tort et à travers. S'il me met encore des bâtons dans les roues... Alors, je le connais, mais travers un peu, moi. Qui s'occupera des listes de prison? Oh, je me tais, je me tais. Oh là là. Ne sais même pas ajuster tes brassards, alors écrire. Je veux bien apprendre. Et si ça peut nous permettre de nous débarrasser de ce chacal. Merci, Catholise, quelle erreur. Ces gens roulent chez le mal. Ils sont sauvages et compétents. Des guerriers redoutables. Hop là. Comme ça, là. Pop. J'ai repris les réflexes. Excuse. Mais arrête d'appeler de l'aide, c'est qui... Ah mais non, mais oui, celui qui dit ça, c'est celui qui je dois libérer, en fait, qui ne fait que gueuler. Stop la gueulasse, là. Merde, ah. Moi, je siffle, en plus. C'est quoi, hein. Non, 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 je déconne. Merde, je voulais l'exécuter. En vrai, j'ai exécuté là. C'est ok. Ouais, c'est ok. Parce que moi, je parle pendant les dialogues. J'avoue. Puis en plus, pour dire ça, quoi. Mais il sait même pas qui il appelle. Genre, il sait même pas que je suis là, normalement, le gonze. Il appelle vraiment les ennemis. Il demande à l'aide aux ennemis. C'est des ennemis, mec. Normalement, il t'aide moins. Hein. Il t'aide moyen. Je peux te loot. C'est bon. Bon, est-ce que je peux... Ah, pardon. Attends. Garde ton équilibre.
perdre ton équilibre, il m'a dit le gars. T'es prêt pour ma nutritionniste. J'ai rien fait. Invisible. Comme une ombre en plein jour. Ce n'est pas l'assassin que vous recherchez. Oh, je suis trop... Je suis pas au bon endroit. Comme ça, ça passe? Non. Je vais mettre là. Là, je pense que ça passe. Attention. Attention. Attention, ça passe. La cloche, je suis sûr que je peux la péter. Pourquoi je l'ai tué déjà? Ah, pour libérer un gars. Je suis un peu comme le gars qui a démoli une maison, mais c'était pas la bonne adresse. Je suis un peu là, je sais pas pourquoi, mais je pète tout. Après, on voit. Inspiré de faits réels. Y'a quelqu'un d'autre, ça m'arrange. Voilà qui ressemble à un logement de scribe. Mais la porte est verrouillée. Je t'attraperai un jour. Viens à moi. Viens à moi, bébou. Celui-là ressemble à un scribe. Laisse-moi donc garder cette clé pour toi. Nickel. Ah mince, j'ai usé un caillou. Enfin, j'ai usé un truc que je voulais pas user. Coucou, c'est qui? Avant, je loot, hein. Je te loot toujours. Une liste de prisons. Et toutes sont associées à des marques distinctes. Ah bah oui, les soldats. Mais après, je suis pas en difficile, hein. Je me suis mise en normal. Et souvent, dans les modes de jeu, pour que le mode normal ou les modes, voilà, soit... Pour que l'IA, vu que c'est dur de faire une IA logique et en même temps pas trop dure, en général, on va avoir des IA un peu plus aveugles, quoi. Mais bon, ça, dans l'Assassin's Creed, en général, les IA, elles sont pas des trucs de dingue, quoi. On le sait, hein. Moi, ça me va, sinon je pourrais pas m'amuser. Je me ferais repérer vraiment tout le temps. Donc franchement, je râle pas trop auprès de ça. Ça me va. Et franchement, tout à l'heure, on a mis 2 heures pour une fille, pour 3 pauvres gars à libérer. C'était un peu trop. Le seul que tu n'as pas tué, c'est celui à la clé. Non, c'est pas le seul que j'ai pas tué, il y en a 3 là. Ça va, hein. Eh. J'ai pas tant tué de personnes. Bon, il y a un coffre ici par contre. Pas déconner. On est à côté là. Pas déconner. Miam miam miam, le loot. Oui. Ouais, moi je suis pas. Je suis pas la pire niveau loot. Je suis pas Dilo. Oh, Dilo, je sais très bien qu'elle a la fièvre du loot. Je sais. Moi, je l'ai pas suffisamment. Dans certains jeux, c'est un peu chiant de pas looter autant. Dans les jeux de farming, par exemple. Je peux pas monter. Faut que je passe la porte, mais ce sera Jo. Ah, par contre, là, je peux peut-être monter. Et oui.
Oh là, je peux. Let's go. Voilà. Oui, t'as raison, reste ici. J'ai pas vraiment bien fait ça. J'aurais dû lui sauter dessus. J'ai échoué. Glorieux souvenir. Je suis un soldat. Quoi ? Ah ouais, c'est vrai. C'est l'heure de mourir. Merde, je pars pas. Du coup, je disais. Je suis un soldat qui manie mal les mots, mais je dois quand même essayer de décrire la visite de l'ambassadeur. Le palais tout entier étincelant de splendeur, d'incroyables tapis décorés, des chemins, nos montures étaient harnachées de sel d'argent et d'or. Toute la ville est venue voir ce spectacle. Quand ma lance se fera lourde et quand la sueur trempera mon armure, je relirai ces mots et me rappellerai le plaisir que j'ai eu à me tenir si près de la grandeur. La glandeur. Votre glandeur. Sa sainteté la glandeur. Pardon. Bon, faut que j'aille où ? Glorieux souvenir, montre la carte au trésor. Mais c'est peut-être le même auteur. Faut que j'aille là, du coup. Il y a plein de picots. Je peux passer ? C'est une porte, ça. Normalement, les portes s'ouvrent. Oh non. Ah oui, d'accord. Oh, je peux pas. Ah. Oh, je peux pas. Non plus. Bon. Ça me sert à rien de faire ça, hein. Ok, peut-être pour ça qu'il me donne des coups de toile. Oh, oh la petite glissade. Amélioration de tenue du soulèvement. Bah, c'est encore ma tenue de téton, ça je crois. Hein. Oh, qu'est-ce que c'est ? Une petite bourse. Du coup, j'ai eu la carte... Ah bah non, mais elle est là-bas la carte, elle est loin. Enfin l'indice ou je sais pas quoi. J'ai libéré le mec que je devais libérer moi. Oui. Je pense. Bah protéton, j'ai pas le choix hein. Elle a un sonar pour choper son stuff. Peut-être qu'il n'y a que celui-là que je peux choper ici, peut-être. Faudrait que j'améliore, du coup. Let's go. On va aller là-bas. Il y a quand même un indice, un truc, un machin. Oh, mais je peux pas le... Oh, faut que je le suive directement sur ma minimap. En moi ? Ah non, c'était là-bas. Ah, mais quand même. Quand même, je peux pas le voir. Je vois pas du truc. Ah si, c'est... Oh d'accord, c'est si loin. On y va quand même.
Ah, j'étais venu pour savoir où il se trouve. Mais je, vu que j'entendais quelqu'un dire à l'aide, je pensais que du coup il était directement ici. Mais j'ai été mené en bateau. Protéton. Oui, tu connais le truc quoi. Perso, moi j'en ai deux. Mais les miens, apparemment, ils sont plus précieux. Faut pas que je les monte. Arrêtez de parler mes tétons. Horrible. Un peu plus. J'étais allée là-dessus. Eh ben non, je crois pas. Non. Ça me fera un petit TP. Ce sur-suit, je me suis, on peut pas montrer. Ah ouais? Des risques alors. Il est sorti par la bite, celui-là. Salut Tiger's Flow, merci pour le follow. Mais je peux pas escalader une fenêtre grillagée, barrotée, enfin je sais pas comment on dit quand il y a des barreaux, alors que pourtant c'est très simple. Merci pour le follow, bienvenue. Là aussi, hein. Aussi c'est simple à escalader, je comprends pas. Inspiré de Feriel à chaque phrase, j'en peux plus, Buisson Delphine. À chaque. Puis tout à l'heure, il m'a inspiré de Feriel quasiment à chacun de ses coms. Oh. Aled, c'est un des soldats qui a trouvé le corps. Ah bon? Tout le monde l'a ignoré, mais oui, c'est bizarre. Grand suggéré, assassin. Effectivement, on peut pas aller chercher très loin. Bon, j'y vais. Oui. Oh. Pardon, il y avait une humaine. Je l'avais pas vue. Elle était en RP tapis. Je vais remettre un peu moins fort les sons, parce que là c'est un peu la cohue dehors. Oh, il m'a jugé de fou. Oh, il m'a jugé. Il était en mode passif-agressif direct. Fais gaffe, j'ai un téton. C'est loin. Ah oui, il fallait essayer d'autre côté. Mais oui, il y a peut-être mince, d'autres moyens. Plus simple. Un escalier, vas-y, je le suis. Non mais non mais monte. Oh. Oh, Basim. Oh. Voilà, s'il te plaît. Comme ça, tu fais des hop. Hop. Hop 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 hop. Hop 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 hop. Ah. Pardon. Non. Je... Oh. Ils ont pas le droit de bouger. Du coup, si je me mets là, niqué. Rentre dedans. Ah. Un téton, j'hésiterai pas à m'en servir. Avoue que ça t'impressionne. Tu manges sa bouffe, elle mange ton pied, grosse ambiance. Est-ce que ça s'appellerait pas un échange de bons procédés? Moi je suis gagnante, elle a mon pied. Bon, d'accord, donc j'ai pas le droit de passer là. Oh, quel emmerdement! Ah mais au pire, je peux passer la porte. Genre, j'ai le droit de passer par là. C'est pas illégal de sortir de la vie. Ah merde.
Ah, c'était donc ça la porte. C'est pour pas que je passe. Oh. J'ai cru qu'il y avait une corde, mais en fait c'était l'ombre de ça. J'ai eu un bug, excusez-moi. J'ai pas compris, je voyais pas ce poteau. Bonne nuit Isabelle, des gros bisous. Merci à toi d'être venu. Des gros bisous. Toujours là, toi. Hein. Toujours là, celle-là. Ça m'énerve. Je vais lui courir dessus. Et aucune résistance, hein. T'abuses un peu. Hein. Bonne nuit, inspiré de Féril. J'ai peur. J'ai réussi. Faudrait que je trouve un... Comment ça s'appelle? Les endroits où on fait les sauts de la foi et on synchronise dans le coin. Comme ça je pourrais me TP sans avoir à faire à me taper tout ça à chaque fois. Pour pouvoir passer de part et d'autre de la muraille. Ce serait bien. Ah c'est en dessous. Pas exactement ici, je pense, c'est ça. C'est genre en dessous. Je pense. D'accord. On y va. Appuyer sur gâchette en même temps, je pas fait exprès. On va, on va se fondre avec notre téton. J'ai oublié où c'était. C'est dans inventaire. Ah oui, j'ai encore ça, c'est vrai. C'est mieux, c'est un peu mieux, c'est un peu mieux, c'est un peu mieux. Il y a un endroit où il y a de l'eau, il y a une porte, il y a un arbre. Ça part en capture d'écran, je crois, ça. Bon, comme ça, quoi. Alors, du coup, c'est un endroit genre comme ça. Genre là, peut-être. Il y aura un arbre. De toute façon, j'ai pas du tout tout exploré. Oh, c'est ici, je pense. En vrai, c'est ici parce qu'il y avait un truc comme ça. Je crois. C'est sous un arbre. Ah, c'est peut-être ici en vrai. Plus tard, hein. Ouais, bon, les dessins sont pas...
Mais bon, si c'était trop précis, ce serait pas drôle. En vrai, franchement, beaucoup d'entre vous feraient à peu près ça, non? Et ça fait peur un peu, hein? Salut Arexan. Merci, inspiré. J'en peux plus. Vos conversations sont incroyables. Je t'ai réveillé, désolé. Il se peut. Non, mais j'avais dit que je devais chercher. Attendez, je dois chercher une tour avant de me barrer. Sinon, c'est trop chiant. J'en vois pas. Hein. Oh, loin là-bas, loin. Un peu plus proche? Là-bas, c'est un peu plus proche. Oh, un chat. Oh, ça fait longtemps. Oh, toi. Oh, il est contre mon téton. Alors. Ah, mais c'est cette tour-là. Ouais, mais bon, j'aimerais bien une plus proche, moi. Enfin, une qui m'aide un peu. Il n'y en a pas ici, en fait. Dans toute cette partie-là, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas de tour. Hawk. J'ai mon aigle. Attendez. J'ai besoin de ton aide, mon ami. Il y a un truc bien là-bas? Non, mais c'est chiant, Daffy. Attends, masque le panneau. Voilà. Ah, je me suis fait shooter! Je me fais shooter tout le temps! C'est trop dangereux, Enkidu. Vous pouvez pas faire 3-4 animations différentes pour le chat? Ouais, mais je suis d'accord, mais c'est comme beaucoup de jeux où il y a tout. Où tu peux caresser des animaux. Déjà, c'est des animaux particuliers, c'est que certains. Et l'animation est toujours la même. Et je trouve ça dommage. Moi, j'aimerais pouvoir pet plusieurs animaux et qu'ils aient chacun leur animation au moins. Genre, j'aimerais bien qu'on puisse caresser la tronche du cheval et du dromadaire et de l'âne. Et même qu'on puisse caresser une poule. Voilà. Moi, ça me saoule qu'on puisse pète que le chat. Le fait qu'ils viennent dans nos bras, je sais pas. Pardon, j'ai aucune idée de ce que je viens de faire. Bon, bah dans ce coin-là, j'ai des trucs, mais c'est pas non plus incre. Bah, le palais du prince, je suis dit, allez, c'est quoi ça? Succession difficile, site historique. Ah oui, non, c'est ça que je voulais. Groupe de marchands. Oui, non, mais c'est bien, mais qu'est-ce que tu veux que j'en foute du groupe de marchands, moi? Bah rien, hein. On va devoir aller faire la quête. J'aimais bien tergiverser comme je le faisais là. Mais bon, la quête elle va m'emmener dans d'autres endroits. Donc ce sera le moment d'explorer ces autres endroits. Je me spoilais méchamment alors que je reçois le jeu demain. Ah merde! Après pour le moment niveau histoire... Ça va. Par contre, niveau explo, c'est vrai que tu te spoiles l'explo. Groschard serait ravi d'apprendre ces nouvelles. Tu te parles souvent dans ta tête quand tu sautes dans le vide? Moi, généralement, même si je crie pas pour de vrai, dans ma tête, ce sera... Quoique non, en fait. Je pense que j'ai déjà dû écrire une disserte en faisant un plongeon. Puis j'ai fait un plat. Mais à la place d'Ali, j'aurais agi de même. Ah, je mets plus fort. La cohésion d'une armée dépend après tout de son soldat le plus lâche. Assalam alaikum, Bassem. Wa alaikum assalam, Ahmad. Comment s'est passé ton voyage? Moi, c'est Abu Jafar. Ah, mais... Pardonne-moi. Mais ça fait deux fois qu'il se trompe de prénom. Y a un problème? Pas encore. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ils sont tout le temps prénom pour lui? Préparer un accord avec Nour.
Ou alors c'est pas le même. En vue d'approvisionner les rebelles. Plat du dos. Oh, j'ai déjà vu deux potes à moi se faire des plats du cul. Oui, mais c'est le califat que vise Ali. C'était vachement drôle en vrai. Ce marché. Toi, j'avais absolument aucune peine, j'ai juste beaucoup rigolé. Il emploie des prisonniers et des ouvriers à creuser à l'extérieur de Bagdad. Ali et certains de ses hommes ont été capturés et marqués. Béchi et moi en avons libéré la plupart. Mais Ali avait été emmené ailleurs pour être interrogé. L'un des rebelles m'a montré sa marque. Si la liste des captifs est exacte, Ali a été envoyé à la prison de la porte de Damas. Où sont les rebelles ? Ce tronc de nom, c'est un running gag, un comique de répétition inspiré de faits réels. Merci. Ce que je me demandais, c'est s'ils se trompaient de nom sur la même personne tout le temps, ou sur une personne différente à chaque fois. Pour savoir la si c'est... De la porte de Damas, c'est la mieux gardée de tout Bagdad. Cela promet d'être un défi de taille. Tu peux me croire. Je vais aller en reconnaissance. Retrouve-moi près de la porte de la prison. Aurais-tu un instant à m'accorder, Basim? J'ai à te faire part de quelques idées utiles. Oui, bien sûr, Bern. Oui. Marc, j'ai préparé un panneau rassemblant les informations de nos espions en ville. Fanzo? Pas le consulter. Ensuite, tu pourras trouver pléthore de matériaux permettant... Un plat du cul, c'est quoi cette sorcellerie? Va voir Jawar, le forgeron, près d'ici. Il pourra t'aider. Ils ont sauté de très haut, les deux. T'aider à améliorer tes outils. Apporte-moi des matériaux, et je te montrerai à quel point mon talent est sans égal. Clapette ! Clapette ! Vas-y, un meilleur couteau. Moi, j'ai un couteau en plus. Portée, non, mais un en plus. Échelon verrouillé. Mais pourquoi ? Ah, faut que je fasse ça déjà. C'est amélioré, c'est bon ? Active. Ah, là, elle est active. Ok. Ok, c'est bon ? Plein de ressources. Merci, Abuja. Mais du coup, ouais, le plat du cul. Mes potes, ils avaient un grand cul. Nous pourrons dire. Et du coup, je pense qu'en sautant, vu qu'en plus ils sautaient pas droit parce que le saut était long, ils ont dû se mettre un peu en arrière et paf, gros plat du cul. Les améliorations qu'il est capable d'apporter à mon équipement pourraient m'être utiles. Je suis fan de la série, j'étais obligée, oui je comprends. Martin qui crie au scandale parce que l'on ne peut pas jouer une fille comme dans l'ancien. Moi j'adorais l'épopée avec Ezio, donc bon. Oui non, c'est pas grave, effectivement. Faut pas se sentir obligé, c'est juste que peut-être qu'il y en a qui ont kiffé après pouvoir jouer une nana. Voilà, c'est... Je trouve pas ça scandaleux. Après le truc c'est qu'au début de l'histoire, c'est vrai qu'on comprend qu'il y a un peu de chemin. Salut Tiger Flow. On comprend qu'il y a un peu deux chemins possibles et c'est vrai que ce serait intéressant de pouvoir jouer le chemin de la nana. Et si ça se trouve, ils vont nous le mettre en DLC. Je sais pas. Je sais pas comment ça se passe les DLC d'Assassin's Creed, j'en ai fait aucun. Le rat, il est passé à travers tout. Ce que je me suis dit, franchement, ce serait assez logique parce que là, la meuf, on l'a perdue de vue. J'imagine qu'on va la revoir. Mais bon, je sens bien le délire de, voilà, de deux chemins différents, quoi. Je me promène. Ah non, c'est bon, j'y vais. Hein. Je m'y vais tout doucement. Man free woman 10 euros. Celle que j'ai à la cuisse. Non, on n'a pas le temps. Sûrement la possibilité d'incarner un dieu, comment ça? Mais non, ce serait classe aussi, je trouve. Oh, bien sûr. Bien sûr, monsieur.
Attends, tu penses qu'il y a sur un DLC où tu peux incarner un dieu? Ouais, je comprends Willy, moi aussi. Je trouve que de base, au pire, quand tu regardes un jeu où à la base tu n'étais pas sûr de te l'acheter ou tu étais pas trop chaud et finalement tu l'aimes bien et tu te dis « Oh, bah en le voyant, ça m'a plu », bah en fait, ok, tu t'es spoil un peu. Mais au final, bah c'est... Voilà, si tu kiffes le jeu, bah tu te seras spoil un peu le début et au moins t'auras su que c'est un jeu que t'aimes. Et sinon, bah si le spoil peut aussi te permettre de savoir qu'un jeu ne va pas te plaire et que finalement, bah tu gardes tes sous, c'est bien aussi, quoi. Je suis assez d'accord avec toi. Quand il y a un jeu que je sais que je vais me prendre, bah évidemment je vais pas regarder les streams dessus. Sauf si c'est un jeu où il n'y a pas trop de spoil possible. Mais oui, si je me mate le stream, c'est que soit j'hésite, soit je sais que je le prendrai pas, soit je sais que je pourrai pas parce qu'il est pas sur PC. C'est possible aussi. C'est possible. C'est pas combien de fois elle m'a sauvé. Et elle m'a permis. Il parle de sa grosse épée. Allez, merci. Bon, je vais à l'objectif, mais j'ai déjà oublié ce que je dois y faire. La voilà. Aussi cruelle et impitoyable. En Valhalla, j'ai pas été jusqu'au bout. De Valhalla. Du coup, je savais pas. Non. De Dieu. Oh, quand même. Je n'y suis jamais entré. En fait, je n'en ai jamais été aussi proche qu'aujourd'hui. C'est d'ici que je faisais voler mon cerf-volant, au-dessus des murs de la prison. Il avait une forme unique, vois-tu. Mon père et moi l'avions fabriqué ensemble lorsque j'étais enfant. Alors je venais ici, jour après jour, espérant que la brise l'emporte. Oui, j'ai déjà eu ça aussi, Willy. Pour qu'il le voie et qu'il sache que j'étais là. Ah, c'est pas très fort. J'ignore s'il l'a jamais vu. Je connais cette souffrance. Et suis peiné que tu la connaisses aussi. Il ne faut pas. Ces souffrances façonnent nos chemins, nous rappellent qui nous sommes et qui nous pouvons être. À propos de chemin, je n'en vois qu'un. Et il est loin d'être accueillant. Ma vie avec Bethesda, oui. J'ai arrêté. Il nous faut trouver un moyen de te faire entrer sans être vu. T'as joué à Starfield ou pas, cela Delphine? Buisson, Delphine. Comment as-tu obtenu ça, Béchy? Il m'a dit que ces jetons avaient une grande valeur aux yeux des petites gens. C'est exact. Tu pourrais peut-être amener les gardiens à fermer les yeux, ou te procurer l'aide de quelques marchands. Je verrai alors ce qui me conviendra le mieux. Je te laisse et regagne le bureau. On va faire caca là. On va faire caca là. The Last of Us, j'ai préféré le regarder que moi y jouer et me rendre compte d'être nul. The Last of Us, il y a plusieurs modes de difficulté, je crois, non? Au pire. Chef de la rébellion a été allié de ceux qu'on ne voit pas. A été capturé et amené à la prison la mieux gardée de Bagdad. Y entrer ne sera pas facile. Les jetons machin sont rares. Chercher des moyens d'entrer dans la prison de la porte de Damas. La porte de Damas. Bon, ok. J'imagine qu'il va falloir que je soudoie. Qu'est-ce que t'as fait à la caméra? Tu m'as fait peur? Ça va pas, non? Oh, il y a un truc de la froid. Je vais le faire d'abord. Est-ce que vraiment Starfield c'est de la merde ou est-ce que c'est surtout décevant? Bon, j'y ai pas joué, je savais que de base, je savais déjà de base à quoi m'attendre, perso, mais en vrai, il est surtout décevant, non? Merde, je peux pas monter. Ah, faut que je passe par là. Bah y'a rien.
obligé de le modder pour que celui-ci me plaise. Vraiment, c'est terrible quoi. C'est terrible. Putain non, mais je vais encore être Keblo. Non. Ah. T'as acheté Sophie l'histoire et le lore. Ah ouais, le lore il est cool. C'est vrai que dans les jeux Bethesda, le lore il m'intéresse un peu. Et dans les récents en tout cas. Un récent, jeu Bethesda récent, à part Starfield c'est compliqué, mais voilà. C'était plus l'univers en lui-même. Et l'explo, mais comme souvent dans des jeux comme ça. Inspiré de mes faits réels. Mais je comprends, je comprends. Oui, il y a des jeux moi aussi que j'ai préféré regarder que y jouer. Il y a des jeux que j'ai trop kiffé regarder. Pour tenter d'y jouer maintenant moi-même. Et puis bon, bah pour plusieurs de ces jeux-là, c'était des jeux aussi où le spoil est très très important, donc enfin... Le fait de pas savoir l'histoire, c'est très important, donc c'était mieux de... Ça sert plus à rien de le faire maintenant que je connais bien, mais oui, oui. Oui, j'ai eu pareil, oui. Attendez, mon objectif, il est là-bas. Mais il y a quoi là-bas? Ah, ça disparaît. Ah oui, d'accord, faut que je cherche ici un moyen de m'infiltrer dans la prison, donc faut que je trouve... De prison. Donc faut que je trouve genre un convoi de gens qui vont rentrer. Je m'infiltre dans... je sais pas. Dans un troupeau de geisha. J'ai bon, je pense, en disant ça. Ah, d'accord. Tout était optimisé pour AMD. Ok, je savais pas du tout ça. Seule partie qui est vraiment soignée, ok. Ok, ok, ouais, je savais pas du tout que... Je me doutais qu'ils avaient fait un univers cohérent, et qu'ils avaient essayé de faire un lore qui soit suffisamment motivant pour les joueurs, mais je savais pas que c'était... Que c'était un... Je savais pas si c'était vraiment bien fait dans Starfield, parce que c'est vrai que vu qu'il y a pas mal d'autres soucis au niveau du jeu, j'ai assez peu entendu parler du lore. Mais c'est... Ah, il est sorti par la bite, celui-là. Merci Zbiwi. Elles sont fortes mes alertes un peu, non? Dès lors qu'elles présentent un attrait, l'ami, de quoi s'agit-il? Je dois entrer dans la prison, discrètement. Je me suis dit que l'un de vous pourrait me faire passer pour un de ses employés. Ah oui, d'accord. Et en échange? Ça m'a réveillé. Ouais, je les ai baissés un peu. En échange? Mais j'ai plus de jetons aussi. Bon bah en échange un jeton alors. J'en ai plus. Non, je peux pas. Merde. J'ai pas de jetons. Je viens d'installer le jeu. Je lis mal ton message, désolé. Je viens d'installer le jeu aussi. Tu passes voir les autres, ça marche. Tu l'as commencé ou juste tu l'as installé? J'imagine que tu as tout juste installé. Donc ça veut dire qu'il est jouable alors. Pourquoi je veux te parler? Parce que j'ai vu un symbole de cheval au-dessus de ta tête. Il me faut des jetons. Peut-être que je peux aller en chercher un là-bas. Là où c'est doré. Je sais pas où ça se chope, moi, les jetons. J'en ai eu juste en fouillant dans des coffres, je crois. En fouillant dans les poches des gens. J'en ai eu comme ça.
Ouais, des jetons de pouvoir. Faire des anneaux. Et elle m'a permis de tuer le chef de la garde. J'ai raté. Mais à moi. Non, ah, c'est pas moi. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Garde. Disparition ninja. Il y a un voleur ici. Garde. Par où? Dis-moi. Un coupe-jarret. Par ici, vite. Tu as besoin d'aide? Qu'est-ce qui est arrivé? Mon argent. Je m'attendais pas à ce que le QTE soit comme ça. Je m'y retourne à son taf. Je suis. Je me trouverai jamais. Faut jouer au moins 15 heures principales pour rentrer dans le jeu de l'histoire. Ah oui, d'accord. Quand tu arrives sur la deuxième planète non optionnelle et que tu passes en diapo près d'un mob, dès qu'un mob tire une balle, alors que t'as payé ton PC 710€ en début 2023 pour ce genre de jeu, non, c'est pas du tout inspiré de faire réel. Je comprends. En vrai, je comprends beaucoup. Rien du tout. J'ai récupéré le document dans le premier coffre, je garde la suite pour demain. Ok. Il n'y a rien à espérer de... Ok. Je suis un peu plus loin. J'ai fait toute l'intro et je suis après l'intro. Hello, c'est re-moi. Alors. Voilà. Objet pour Dervy. Ah, mais c'est un objet pour Dervy, c'est pas un objet de marchand. Merde. Et si je fais ça? Si je fais ça, je peux savoir ce qu'ils ont sur eux? Mais marche droit, meuf. C'est pas ma faute, hein. Jetons de service du pouvoir. Ouais, c'est autre chose, hein. David Goudenov. Salut, Grima. Je sais pas comment avoir ce jeton-là. Je sais pas comment je l'ai eu, celui-là. Branche en frère. Il me semblait que c'était en dérobant, mais en fait, ça doit pas être ça. Mes seigneurs. Sans vous, des hommes d'affaires, une proposition. Je dois entrer dans la prison. J'ai déjà fait. Non, j'ai toujours pas. J'ai eu la flemme de chercher si j'en avais un. J'ai eu la flemme de chercher dans mon inventaire comment avoir cette information. Je préfère aller lui parler direct. Bon. Bah, je vais aller enquêter là-bas. Alors, hein, on va voir. Hein. Et non, c'est pas qu'elle était bourrée, c'est qu'elle marchait en m'attend mon boule, c'est tout. Ou mon téton. Et puis si elle est en face de moi ou pas. Ça perturbe, tu sais. Seriez-vous des hommes d'Ali? Je cherche un cupcake. Nous l'étions. Oh, mon Dieu, un cupcake. Mais ça fait des semaines que nous ne l'avons pas fait. Cupcake, putain. Et les rebelles sont en mauvaise posture. Ce n'est que temporaire. Ali est retenu dans cette prison. Ali? Ici? Je craignais qu'il soit mort. Je compte le libérer. Mais j'ai besoin de votre aide pour entrer. Mais qui es-tu? Nous souhaitons naturellement le retour de notre chef, mais... Comment être sûr que tu es digne de confiance? Bah tiens. Béchi m'a dit que ce jeton me permettrait d'obtenir votre aide. Alors, qu'en dis-tu? S'il t'a remis ceci, c'est qu'il doit te tenir en haute estime. Nous allons nous occuper des gardes. Observe avec soin, puis passe à l'action. Observe avec soin. J'observe avec soin. Attends la diversion. Ok. Pendant ce temps, je m'occupe. Il faut que je vienne avec vous? Mais il diversionne pas du tout là, il y a toujours les gardes là-bas. Bon, j'y vais. Violent un peu. Je m'attendais pas à ça. Mais c'est rigolo. Ça, ils sont prêts à risquer leur vie pour un vieux jeton. Reste à le trouver. Je m'attendais pas à ce que ça fonctionne.
je fasse gaffe à surtout pas siffler. Je passe mon temps, vu que c'est croix directionnelle gauche pour faire ça et c'est croix directionnelle droite pour siffler. Donc j'avoue que j'ai tendance à un peu hésiter à chaque fois. Chercher une glace. Oh non, mais arrêtez! Moi, j'ai rien à bouffer en plus. On a commandé aujourd'hui, c'était dégueulasse qu'on a commandé. J'ai dégoûté. Du coup, j'ai mangé aujourd'hui. Le seul repas que j'ai mangé était déprimant. L'homme masqué est mécontent du rythme de progression des fous ici. Prisonniers sont morts et les autres deviennent chaque jour plus faibles. Nous allons devoir nous procurer plus d'hommes et instaurer une rotation. Ceci devrait permettre un travail plus régulier et surtout plus rapide. Enfin, je vous rappelle que toute pièce... Toute découverte... Quoi pièce, je sais pas. Toi, demeurée secrète, bien sûr, hein. Évidemment, c'est pas mon genre de bavasser à tort et à travers, enfin. Je ne bavasse pas. Des fois, il y a des... je les vois, hein, du coin de l'œil, les chutes de FPS. Des os. Il y en a beaucoup moins. Oui, j'avais entendu parler qu'il y avait une inondation. Mais par contre... Est-ce que chez No Man's Sky, mais par contre, est-ce que vraiment ils ont perdu des trucs? Il paraît qu'ils ont rien perdu. Ils ont perdu par contre tout leur... Enfin si, tout leur... Ils ont perdu tout leur matos, mais pas leur sauvegarde et tout. Mais oui, je vois parler de No Man's Sky. J'avais entendu parler de cette histoire d'inondation. Ah, alors je ne suis... J'étais devenu certain que mes yeux me jouaient des tours. Oh, vous allez être chiant, vous. Si je siffle, vous allez venir à deux. En combattant avec l'émir de Barda. Mais ils sont 15 là-bas. Comment ça se fait? Merde! Tu vas souffrir. Là, je te tiens. Tu peux où je dois aller? Ils vont pas vivre ici, c'est sûr. Au pire, je les bute. Ah, je savais pas ça, Buisson Delphine, qu'ils avaient dû tout refaire. J'avais entendu un mec qui en avait parlé de ça, il avait dit que miraculeusement tout avait été sauvegardé ou tout avait pu être récupéré, machin. Ah, c'est un mytho alors, m'a mythonné. Ouais, le fait que qu'on puisse jouer à No Man's Sky en VR sans frais supplémentaires, c'est vraiment cool. Moi, après, j'avoue, je m'ennuie un peu sur No Man's Sky. Mais ça veut pas dire que le jeu est pas bien. Maintenant. Je pensais qu'il passerait tout doucement, mais non, il a fallu qu'il glisse. Parti. Ce couard aura moins de chance la prochaine fois. Tellement de buté. C'est qui le couard maintenant? Pourquoi ils étaient tous les deux devant cette cellule? Ça n'a aucun sens. Ok. Je fouille un peu, hein. Nini, barricadé. D'où tu barricades des trucs dans une prison? Prison. Ah, c'est lui qu'on entend gueuler. Ouais. J'ai pas compris ce qui vient de se passer, alors je m'en vais.
C'est dur d'être discrète un peu. Solo et non, le multi est vachement agréable. En fait, j'avais essayé en multi. J'avais réussi en multi, mais ça date un peu. Mais à ce moment-là, alors je sais pas si c'est toujours le cas, mais par exemple, tout ce qui était quête principale, bah de toute façon, ça pouvait être fait qu'en solo, même si la quête principale, elle est pas très évidente, enfin, elle était pas très évidente à comprendre sur le coup. Et il y avait que des trucs qu'on pouvait faire en multi, sinon on pouvait se rejoindre, et essayer de faire une base un peu tous les deux. Mais voilà, je trouvais qu'il y avait peu de... Enfin, un niveau features en multi, au moment où j'y ai joué, c'était pas ouf. Mais ça date, j'avoue. Et puis bah, malheureusement, le procédural, je suis vraiment pas fan, donc... Et que dans Minecraft où j'aime bien. Du coup, bah ça rend l'exploration vachement moins intéressante. Et c'est ce que je préfère dans ce genre de jeu. Donc il y avait un peu de ça aussi. Ah, j'étais déjà allé là. Mais qui gueule depuis tout à l'heure, oui. C'est lui. Je sais pas, il est content en tout cas. Mais ils sont là, le problème c'est qu'ils stagnent, je peux rien foutre. Je suis trop loin, même si je siffle, il s'en fout. Il m'entend pas. D'accord. Oh, putain. Ils sont tout coincés, fait chier. À travers la foule. Oui, mais le problème, c'est que là, les gardes, ils me séparent de la foule. Et du coup, bah, vu qu'ils sont de part et d'autre, ils regardent des deux côtés. Ça y est. Non, non. Ouais, bon. De toute façon, je pouvais pas faire grand chose. Hein. Merde, j'ai raté. Oh, je me fais éclater. J'essaie de me foutre dans la foule, mais ça n'a pas marché. Ouais. C'est comme Baldur's Gate 3, j'aime bien les sens aussi, mais je m'ennuie dessus. Ah ouais? Est-ce que c'est peut-être les combats ou le gameplay qui est un peu trop fastidieux, ou c'est le lore qui te tient pas? J'ai l'impression que le lore est cool, enfin le lore et les interactions sont sympas. Par contre, le jeu est très long aussi. Hein. Un peu de ça aussi. Bon. Ne faites rien. Ça me saoule. Non, non, n'ayez pas peur. He's ok. C'est calme.
Je suis discrète, tu vas rien savoir. Comme une ombre en plein jour. Faut que je passe là-bas. Oh, ça va être chiant. Avec plaisir. Il doit dresser un nouveau faucon pour le Sahib. Mais si je monte, bah je vais à l'opposé de là où je dois aller, non? J'ai quelque peu l'impression. Merde. Qu'est-ce que merde, je fais, l'autre arrive. Hé, hey, toi. Arrête. Chut, chut, chut. Y'a rien. J'étais sûr que... Ouh. Il n'y a plus qu'à repartir. Je suis sûr que c'était un jean avec de gros sacs d'or. Merde. Hein ? Qu'est-ce qui se passe ? Hey ! Ok. Nickel. Hey, qu'est-ce qui se passe? Quoi? Une minute! C'est caché. C'est marrant, les coffres comme ça, dans les couloirs de la prison. J'ai pas intérêt à siffler ici, hein. J'ai pas intérêt à siffler sans faire exprès, hein. Bonjour. Ça va être compliqué, là. Le couteau de lancer, le truc, c'est qu'il ne tue pas. Et apparemment, ça leur permet de me repérer. Hé, hey, toi, attends un instant. Qu'est-ce que... Je t'aurai la prochaine fois. Ah, je te protégerai s'il se passe quelque chose. Fuck. Je suis très proche. J'en peux plus, je sais pas comment me dépatouiller de ça là, j'avoue. Non, il faudrait que j'utilise un couteau de lancer qui casse un truc. Il les tue, mais je n'arrive pas. Parce que j'ai un ami qui vit près du quartier du prince. Il en élève des chameaux. Il m'a promis de me choisir un vainqueur. Je n'y crois pas vraiment, mais c'est une distraction. Vraiment, ils ont mis des rideaux. C'est gentil.
C'est pas... Oh, je l'ai trouvé. Oh putain. J'ai essayé de lui parler, mais ça marche pas. Qui est-ce qui t'a fait ça? Sors-toi. Tu peux pas m'aider? Connard. Horrible. On disait. Et qui est-ce qui t'a fait ça? Mais le garde que j'ai tué juste avant. Donc c'est pas lui Ali hein. On s'en parle là-dessus. Allez on se casse. Bon. On m'a saoulé. Je ne pensais pas que des démons pouvaient fouler cette terre. Mais c'est hey, toi, une seconde. Non. C'est le mal. Je te tiens. Notre geôlier fait trop ça. Il cherche à nous briser. Ah, j'avais pas vu. C'est bon. Oh, putain, le trou. Non. Il gâche. C'est Assassin's Creed, j'assassine, c'est mon credo. Tu te casses, chien ? Non, je suis visible. Je veux pas me voir. Ça marche, hein. Alors, où es-tu ? Coccinelle. D'accord. On reste en éveil. On reste en contact. Voilà. Oh mince! J'ai risqué de me faire repérer. Ok. Alors faut pas que je me mette là parce qu'apparemment on peut me repérer. Non, non, c'est pas moi. Je suis toujours de manière pathétique parce que j'arrive pas à me désaccroupir. Plus vite! Plus vite! Allez, il n'est pas loin d'échapper. Fouillez les lieux. Gagné. Touche-moi à force, je vais faire le ménage comme ça. Bon, dans cette partie de l'hémisphère, normalement je suis... Je suis à peu près peinard. Tu m'as fait peur, toi. Gameplay inspiré, Gameplay inspiré de sa mère. Putain, j'en peux plus. Tu n'es qu'un pleutre. Oui. Tu voulais m'insulter, c'est raté. Tu n'es pas là, mais
je vais te trouver. Et toi, t'es où? Je ferais mieux de repartir. Qu'est-ce que c'était? Quoi? Ok, j'ai toujours pas trouvé. Merde. Il me faut des clés. Bon, hey, je suis tranquille un peu là. Oui, voilà. C'est bon. On va pouvoir fouiller. Mais j'ai pas trouvé la clé. Elle est où la clé? Non. Je trouve pas de garde avec une clé. Genre il est très loin. Oui, c'est ça. Où est la clé? Tranquille un peu, a dit ça après un génocide. Du coup on est tranquille quand il n'y a plus personne. Ça reste vrai hein. Je passe par où moi? Là vous allez pas me faire chier vous. Faudrait mieux pas hein. J'suis pas d'humeur là. Bon bah allez, on passe par là, on va voir. Ah non mais c'est là d'où je viens, c'est la cour. La cour ou pas? Non c'est pas d'où je viens. Pour impressionner, hein. Tu peux faire ça plusieurs fois d'affilée. Trouve Ali avant toi. La ferme. Je les trouve aussi. Ok, je t'ai saigné. Marrant comme réflexe. Faites preuve de jugeote. S'il est vrai que les ennemis de l'État ne doivent pas emporter leurs secrets dans la tombe, chaque gênement. Et pas que ça dit, j'aurais dit gémissement. De martyr supplicié résonne comme un coup de trompe. Nous devons identifier ceux qui les soutiennent, pas en faire des fervents partisans par une brutalité exagérée. Lorsque c'est possible, user de duperie. Faites comme les Ouyoun, les yeux du califat. Ne vous laissez pas aveugler par la soif de sang. Vous voyez partout. J'ai sifflé. Non mais arrête. Ouais, je vais y arriver. Allez, c'est nous. Attends, je vois le cadavre. Attends. Avant je loot, j'arrive. J'arrive pas à rentrer, je suis trop pressée. Oh, ta mère? Oh, j'ai un bébé. Oh, il a dit ta mère. Ton perso fait l'oiseau. Mon perso fait le papillon. Il va de droite à gauche, de part et d'autre. C'est sûrement. 3 heures plus tard, après avoir dit ça, littéralement, tu es tous les soldats. C'est plus simple. Moi, j'aime bien quand c'est simple, hein. Pour ça qu'imaginons dans ma vie, imaginons je dois voler un truc, je préfère aller voler un enfant, plus simple. Mais pas un enfant filou. C'est bon, je trouve Ali, ça va. C'est bon. Mais si, je l'ai trouvé. Arrêtez de me ostraciser. Discuter peut attendre. Il faut que je te fasse sortir. Discuter peut attendre. Pas si vite, Azizi. Oui. Nous ne pouvons pas encore partir. Il faut que j'aille dans la salle des gardiens. Et pourquoi ça?
C'est après Al-Ghul que tu en as, n'est-ce pas? Les gardiens de cette prison sont à son service. Ils emmènent les prisonniers par groupes entiers jusqu'à des sites de fouilles, à la faveur de la nuit. Si nous mettons la main sur leurs ordres, nous apprendrons peut-être où doit se rendre Al-Ghul. Est-ce une raison suffisante? Reste près de moi, baisse-toi, et surtout... Oh, regarde pas mon téton. Je sais très bien me défendre. Vraiment? Et avec quoi? Avec feu? Oh, excusez-moi. Essayons surtout de ne pas nous gêner mutuellement. Oui, Ali va tellement nous trahir. Je suis d'accord avec toi. Dis-moi, Basile, il faut que je le sache. Basile, j'ai rentré le ventre et je me suis glissé dans les fissures. Prends cela comme un compliment. Je sais que les tiens affectionnent l'ombre, mais même le plus... Comment on est rentré? Non mais t'as vu la taille des trous dans cette prison? Regarde ça. Allez, voilà comment on est rentré, Dude. Je te parlerai de mon passé. Alors tu comprendras. Ah oui. Facile, mais tu... Oui. Écoute, tu es tout le monde, quoi. Mais c'était pas si dur, hein. Il me fait pas? C'est un peu chiant en fait de t'attendre. Attends, là-bas il y avait Rin. À part le petit passage. Ouais, bon, on va dire que c'est bon. J'ai suffisamment fouillé. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un banc. Pas par là. Devoir se battre. Je le sens bien. Tu vois, on peut marcher tranquille ici. Normalement, on est plutôt peinard. Hein. Tu veux libérer des gens? Hey. Il y en a quand même, hein. J'ai raté. J'ai essayé de faire, mais je l'avais... Ils sont repop. D'où? J'avais tout nettoyé. Pas beaucoup de prisonniers pour une prison. Il y a plus de gardes. Les mecs sont pas au courant, mais c'est eux qui sont punis. Ah, ça lag quand je charge. Et qui se touche les baloches derrière. Oui. Et tats. Ces énormes bourses. J'ai rentré le ventre et je me suis glissé dans les fissures. Trop marrant. Allez, on y va. Ah, t'as vu? La porte de la prison, elle a une vie. Une barre de vie. Allez, un jour je te parlerai de mon passé. Alors tu comprendras. Ali, qu'est-ce que tu fous? Tu peux venir, s'il te plaît? Putain, qu'est-ce que c'est que ça, là? Allez. La gueule, oui, je crois. Eh ben, tant pis. Trouver les quartiers des gardes. Voilà, bah, je vais faire ça. Hein. La mission, elle me dit pas de le publiciter. Hein. Bon, par contre, on doit recommencer ça alors que j'avais tué tout le monde.
est derrière cette porte. Ah, oh, je t'avais pas vu. Je le fais. En fait, je le vise pas. Alors du coup, je n'arrive pas à esquiver. Mais pourquoi ça ne vise plus? Je fais n'importe quoi. Collectionner par contre. Collectionner s'il te plaît. Merci. Oh, il est fort, hein. Il va falloir faire vite. The power of kicks. Allez. Oh, ça lag. Enfin, pour vous, pas pour moi. Moi, ça lag pas, mais c'est la... Là-bas, près de l'armure. La retransmission. Sur Twitch, qui lag. Oui, je l'ai. Porte ça à Roshan, mon maître. Elle est avec tes rebelles à la place forte du moulin. Je vais retenir les gardiens. Allez, bah non. Moi, je préfère y partir. Ah, on va se battre. Je vais te tuer. Et toi là, là-bas. Oh, what the fuck, jamais je fais ça moi. J'aurais besoin d'aide ici. Oui, effectivement. Fuir la prison. J'essaye. Je ne pourrais pas rejoindre Ali. Le risque serait trop grand. Pire, je m'assois là. C'est quoi tout ce refus ? Je fais si je peux. J'étais discrète avec à peu près tout le talent que j'ai dans cette pratique de la discrétion. Dès ça marche, on me voit même plus. Aussi ce qu'il y a de plus loin. Il gagne. Bon bah j'ai plus qu'à arracher plein d'affiches pour être un petit peu moins, me faire un peu moins souvent poucave. Je voulais manger des fruits. Pardon. Une affiche là. Garde, non. Pas très ressemblant. Bah. Ah oui, d'accord, je suis niveau 3. Ça se lave une armure. Hein. Gros dégueulasse. Pardon. Je commence à confondre. Je m'en vais. C'est officiel. C'est là que c'est meilleur. Oh, ça, on le savait. Oh punaise, c'est compliqué, mais franchement on s'en est bien sorti, je trouve, non? En vrai. Ça va, ça pourrait être pire, ça va. Qu'est-ce que c'est ça? Je sais même pas si c'est. Ça va. Ça juge un peu dans le chat. Je l'ai trouvé Ali, on est sorti. Il est parti. Moi je l'ai suivi. J'ai fait des rimes en I. Ça pouvait pas mieux se terminer. Arrêtez, c'était... Non, ça va en vrai. Non, ça va, ça passe. Je vais mettre mes points de compétence. Oui, chute.
Ah ouais, ce serait bien ça, parce que souvent, c'est chiant. Monde de 1, le nombre d'Aesir. Ah ouais, ça serait bien ça aussi. Perception qui facilite les marquages. Ouais, non, mais c'est bon, j'ai compris. Hein. Mon piaf, il se fait juste shooter tout le temps. Dégoûte. Oh, stylé. Faudrait que je choisisse plus assassinat, je pense. Oh, quoique là, il y a une arbalète. Ah non, c'est des couteaux. Oh, récupérer les couteaux lancés, c'est bien ça. Ces deux arbres-là, ils me plaisent bien. On va voir. Mais on va voir la prochaine fois. Parce que là, je vais arrêter et je dis bisous à la VOD. Des bisous, VOD.